Allez, on vous embarque, ou plutôt Pierrick Becquet vous embarque maintenant au cœur de la forêt de Compiègne pour une escapade nature. Alors, si vous passez par là en ce moment, et jusqu'au 15 juillet se tient la 28e édition des Bains de forêt musicaux. Des Bains musicaux, oui, c'est un festival qui associe, vous l'avez compris, randonnée, méditation et musique classique. De quoi faire, eh ben, ma foi, le plein de très bonnes ondes. Dans la forêt de Compiègne, il se passe parfois de drôles de choses. Promenons-nous dans les bois ou, mieux encore, prenons un bain de forêt. Enlacer un arbre, c'est une forme de connexion, hein. Les arbres sont vivants. Donc ils dégagent aussi une force, une énergie, une puissance. Et c'est un moment privilégié. C'est-à-dire que la personne va être connectée à son arbre. C'est un moment de lâcher prise. L'art des bains de forêt, inspiré d'une pratique japonaise de méditation, consiste à se relier aux arbres et à la nature en général pour éveiller nos sens. À vrai dire, j'y croyais pas trop, quoi. Être bien en faisant un câlin à un arbre, en gros, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Mais c'est vrai qu'après, on sent un apaisement quand même, quoi. On sent l'énergie, en fait, ouais, de l'arbre. Les gens viennent chercher de l'apaisement, une déconnexion. Il est démontré scientifiquement qu'après 15 minutes de marche en forêt, notre rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue, on va avoir une action sur le stress, donc si vous êtes moins stressé, vous renforcez aussi votre système immunitaire, ça favorise aussi une meilleure qualité de sommeil. J'ai l'impression d'être déconnectée du monde et j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures, là, alors que je manquais de sommeil en plus. La musique classique a vraiment toute sa place dans cet espace de nature. On va jouer, accentuer, venir percuter l'émotion puisqu'elle touche le cœur directement. On a l'impression que la musique monte des musiciens jusque dans la cime des arbres. Et c'est un peu comme si c'était la bande originale de la nature, quoi. La musique, elle transporte complètement, elle nous fait vibrer de l'intérieur, alors que c'est pas une musique qu'on écoute, et là, l'oreille, elle apprécie énormément, quoi. J'invite vraiment les personnes là, qui partent en vacances ou qui ne partent pas, d'expérimenter des bains de forêt. Ça peut être aussi dans un parc, ça peut être dans son jardin. La nature, elle est ressourçante en elle-même. Les Français, en sortant du confinement, ont eu besoin de sortir de chez eux. Je pense qu'il y a une forme d'authenticité, un retour à la nature, qui a une vraie soif de retour aux choses simples et aux expériences sensorielles. On est dans la réparation, dans l'évasion, dans le ressourcement.